Je pense jamais que je dirais ça, mais j'ai beaucoup de poudre dans le nez là. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carlis Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale Noël. On avait envie de passer un moment intime avec vous et on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur nos comptes Instagram, celui de Isaac et du mien. Parce qu'on voulait faire cette vidéo qui de nous deux et j'ai très très hâte de voir qui va manger le plus de farine aujourd'hui. Ça va être toi. Claire! J'avais vu cette vidéo sur la chaîne de Sophie Fantasy et quand j'ai vu le truc extrême, la tête dans la farine, j'ai trouvé ça tellement drôle que Saint-Maurice. Il fallait effectivement refaire cette vidéo et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de commencer directement avec une première question parce que ma soeur est juste à côté et elle va nous poser vos questions auxquelles on a très très hâte de répondre. C'est très simple, la façon pour répondre à vos questions, c'est de mettre la tête de l'autre personne dans la farine. Je vous montre, regardez. Comme ça. Mais il faut mettre un peu de farine avant. Il faut en mettre un petit peu, alors sur le coussin, voilà. Ça va être le bordel. On a tout quand même protégé parce que... Il va en avoir partout. On va étaler ça un petit peu. Claudia, est-ce que t'es prête? Certainement. Alors, on met la tête comme ça pour qu'on puisse... Oh! Best buddy! Et ça commence maintenant. Qui de vous deux ronfle le plus? Claire, c'est toi. J'étais pas prêt. Attends, je tape un peu. J'ai même pas eu le temps d'entendre la question. Mais moi, j'ai entendu, c'est toi. Qui ronfle le plus? C'est toi. Oui, je pense que c'est vrai que c'est moi qui ronfle le plus. Ok. Qui de vous deux mange le plus? Toi! C'est vrai aussi. Qui de vous deux est le plus têtu? C'est clairement toi. C'est pas vrai. Du ah oui. Tout. Qui de vous deux râle le plus? J'ai toi aussi. Je râle, mais quand il y a un truc, tu râles aussi pareil, hein? Voilà, égal. Qui de vous deux est le plus game de faire 24 heures dans un igloo? Ah, voilà. C'est moi. Oh, ça, c'est pas agréable. Hein? J'ai l'impression de manger du gâteau pas cuit. Qui a les plus grands pieds? Toi, je pense jamais que je dirais ça, hein, mais j'ai beaucoup de poudre dans le nez, là. Qui a fait les premiers pas dans votre couple? Oh non, c'est moi! Ah, oh, mais ça, c'était méchant. Là, on voit que tu voulais juste me mettre la tête dans la farine, en fait. C'est moi qui ai fait les premiers tu pas. Tu sais quoi? Tu devrais le faire une fois seul. Tiens, je te laisse plaisir. Alors? Je l'avais refait. Encore? Voilà. Qui de vous deux s'énerve le plus vite? Non! Non, c'est pas vrai. Allez! C'est clairement toi et Zagob qui s'énerve le plus vite, qui râle le plus. C'était quoi la question? Qui de vous deux s'énerve le plus vite? Oui, c'est toi qui s'énerve le plus vite. Qui aime le plus danser? Toi? Moi, je danse pas. Mais regarde Snow derrière toi. Ah oui! Coucou! Qui parle le plus de langues étrangères? C'est pas. Ah, mais ça, c'est normalement une bonne chose, non? Je sais. Qui est le moins organisé? Oh, ça, c'est pas fair. Je sais que tu es organisé, hein, mais dans certains domaines. Dans d'autres, moi, je suis organisé. Qui fait le plus de pranks? J'adore cette vidéo! On devrait faire ça plus souvent. Dites-nous en commentaire si vous voulez une partie 2. Dites-nous qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le coussin. Tu sais quoi, j'adore tellement faire des pranks que ma vidéo de prank va devenir bientôt. Oui, j'ai très hâte de la voir. Mais en fait, j'ai pas si hâte de la voir parce que je sais que ça va être moi la victime, mais bon. Qui s'endort le plus vite? Claire, c'est toi. Moi, je mets la tête sur l'oreiller et je dors direct. Ah, c'est vrai. Qui de vous deux dépense le plus? Nous deux. Tu trouves? Oui. Moi, j'aurais dit moi. En dépense égale. Ah oui? Oui, tu sais pas? Je trouve quand même. Regarde, je saupoudre un petit peu. Qui passe le plus de temps sur les jeux vidéo? Vous le savez, c'est Isaac, le gamer dans la famille. Ça, c'est vrai. J'adore jouer à la PlayStation. C'est quoi ton jeu préféré? Overwatch. Qui de vous deux est le plus bordélique? Ça, c'est toi. T'es organisé, mais t'es quand même bordélique. Tu ronds jamais. Des culottes sont partout, des chaussettes aussi. C'est moi, la femme de ménage. C'est vrai que je suis un peu bordélique, mais quand je me mets à faire du ménage, c'est moi qui le plus maniaque. C'est moi qui vois le plus dans les détails. Mais on parle en général. C'est comme si on lave notre linge sale en famille. On règle nos affaires, là. Noël va pas bien se passer, ça, je peux le dire. Tu sais quoi? On n'en va plus. Que on... Oh non. Il nous manque un petit peu de... Qui a embrassé l'autre en premier? Je pense que c'est de toi, non? La première fois que j'ai vu Isaac, c'était à son anniversaire. Et ah oui? J'ai mis un raisin dans la bouche et je l'ai embrassé. Donc oui, j'étais un peu rapide. Très coquine. Qui de vous deux est le plus romantique? Toi. Tu devrais être content, c'est moi qui fais les petits repas à la chandelle à la maison. Je suis très content. Qui fait le moins de ménage?
C'est moi qui se réveille le matin qui vide le lave-vaisselle, donc mais parce que des maniaques, moi je vais le faire plus tard. Qui passe le plus de temps dans le spa? Ah mais ça c'est ça. C'était évident après ton petit 24 heures dans le spa. Mais même en dehors du 24 heures qu'il a fait dans le spa, c'est vrai que c'est Jack qui passe le plus de temps. Il peut vraiment passer des heures. Moi, je deviens un peu plus ratatiné rapidement, donc... Mais moi, une heure, c'est bon, là. Oui, oui, facile. Non, même. Qui de vous deux se vexe le plus facilement? Non! Toi! Non, c'est toi! Non! Toi, tu es mis susceptible. C'est pas susceptible, la question, c'est qui se vexe le plus vite. Je suis peut-être susceptible, mais toi, tu te vexes plus vite que moi. Yeah, j'ai un tempérament fort. Enflammé. Qui est devenu végétarien en premier? C'est quoi? À l'âge de... 10 ans. Moi, ça m'a pris quelques années en plus. Moi, j'ai été végétarien depuis seulement 5 ans. Ouais. Yeah. Qui est le plus long pour prendre une douche? Ça a cogné la tête! Ah là là! Non, je m'excuse! Faut mettre un peu plus de farine peut-être. J'ai entendu son front cogner sur la table en vite. Mais c'est vrai, je prends de longues douches. J'aime bien l'eau. Il y a beaucoup d'idées qui viennent quand... Oh, mais ça c'est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'idées qui viennent quand je prends ma douche. J'aime bien ça. C'était ça la question? Yeah! On a l'impression que tu as sniffé un peu trop de farine. J'ai peut-être un peu trop de farine dans le nez. Qui de vous deux a fait le plus de bêtises en étant petit? Isaac! Oh, allez, t'as... Moi, je me souviens juste d'un truc. Ma tante m'a dit quand j'avais 4 ans, tu devrais pas mettre des pieds dans les tortes, dans le gâteau. Dans le gâteau. Je l'ai fait. Moi, je me rappelle aussi que tu m'as raconté que tu avais mis tes mains pleines de terre sur le mur que ton père venait aussi de peindre. Ah oui. Il n'était pas content. Non. Mais c'était faux. Ma grand-mère a dit, c'est très beau, qu'est-ce que le petit a fait. Un vrai artiste. Non, moi, j'étais très sage. En Claudia, quand j'étais jeune, j'étais très sage. On a même la preuve à l'appui. Qui a fait son coming out en premier? Ah, mais je sais pas, en fait. 18 ans. Moi aussi, à peu près 18 ans. Allez. Allez. J'ai vraiment la bouche super pâteuse, c'est dégueulasse. Qui est le plus accro au shopping? C'est toi. Ah oui? Oui, Isaac. Allez. Allez. Il veut toujours aller faire du shopping. Ah, mais tu sais quoi? Oui, c'est vrai. Mais quand je fais du shopping, tu en profites. Oui, je porte tous mes vêtements et tout ça. Mais c'est pas ça la question. Qui de vous deux est plus souvent en retard? C'est Isaac. En même temps, j'aime bien être à l'heure. Oui, t'aimes être à l'heure, mais t'es souvent un peu plus en retard que moi. Non, je me laisse plus de temps. Qui de vous deux se réveille le plus tard? Isaac! Je réfléchis! C'est toujours moi qui se réveille. C'est vrai. J'aime bien dormir. C'est vrai, je suis pas très matinal. Non, pas du tout matinal. Qui est le plus jaloux? Mais ça de toi! J'ai attendu que tu mettes la tête dans la farine parce que oui, c'est moi qui est clairement plus jaloux. Quand on s'est rencontrés, j'ai quand même mes raisons. Attends, un mannequin international, moi j'étais là, je me disais mais... Tes raisons? Mais oui! Je n'ai jamais donné de raison pour être jaloux. Non, c'est vrai, ça m'a pas donné de raison, mais j'étais insécure, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui de vous deux regarde plus Netflix? Toi! Tu joues aux jeux vidéo, moi je regarde Netflix. D'ailleurs, dites-moi vos séries préférées, je pense que je suis passé au travers de toutes mes séries. Et regarde une série Big Watch dans deux jours là. Qui de vous deux chante le mieux? Et attention, preuve à la pluie. Mais c'est toi là, allez, tiens. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Qui résiste le moins au froid? C'est clair. On va prendre une marche avec les petits, puis il faut retourner deux fois pour qu'ils mettent un autre chapeau, qu'ils mettent d'autres mitaines, qu'ils mettent d'autres chaussures. C'est froid ici au Québec. Je suis pas habitué. Moi, 50 là. Qui aime le plus la pizza? Ben ça. J'ai même la preuve à l'appui. T'as fait une vidéo manger que de la pizza pendant 24 heures. J'adore la pizza. La question qui tue, qui de vous deux a eu le plus de conquêtes amoureuses? Mais ça, c'est toi. Je vais rien dire, hein, mais ça serait une bonne idée pour une FAQ. Hein? Moi, je suis la Vierge Marie. Ça se voit, non? Tu veux dire que je suis quoi, moi? Mais pas la Vierge Marie. Qui de vous deux bouffe le plus en secret? Toi! Hier, j'ai joué à la PlayStation chez Monté, là. Il a bouffé tous les petits chocolats. On avait reçu un calendrier de Noël en cadeau, puis j'ai tout... Tous les cartes, il a ouvert et a tout bouffé. Oh mon Dieu, je suis exposé. C'est épouvantable, c'est vrai. Parce que je sais qu'Isaac, il mange très santé, donc je veux pas me sentir coupable. Qui est le plus difficile avec la bouffe? Moi. Ça c'est moi. J'aime pas grand chose, mais par contre quand j'aime quelque chose, j'adore ça. C'est vrai, mais t'es quand même très difficile. Très compliqué. T'aimes pas le fromage de chèvre, t'aimes pas la coriandre. J'ai tellement mal au bras en fait. C'est toi qui perds le plus souvent, j'ai tout le temps l'impression de te mettre la tête dans la farine, puis là j'ai mal au bras. Qui prend toute la couette dans le lit?
Voilà, fais-le toi-même. Et il prend tout. Il dort comme ça, comme une étoile de mer dans le lit. Je m'endors en premier, puis je tire toute la couverture. C'est vrai, c'est épouvantable. J'ai passé un bon moment, toi aussi? J'ai passé un très bon moment. J'espère que ça vous a fait plaisir. Faites-le à la maison, c'est une bonne idée de faire ça avec la famille. Hein, oui, non? Exactement. Et puis surtout, pour profiter de petits moments privilégiés comme ça avec les gens. Laissez-nous savoir en commentaire quelle autre question auquel vous aimeriez qu'on réponde pour une partie 2. Nous, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, non? Ouais, les vidéos sont ici pour le regarder tout de suite. Et si vous abonnez, si vous n'avez pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Bisous! Ciao! Je pense que maintenant, il va falloir que tu ramasses toute la farine. Alors, c'est toi qui aimes faire le ménage.